messieurs, dames, avez-vous déjà entendu parler de Oli? Bon, messieurs, dames, sans plus tarder, nous allons passer au produit. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Oh mon Dieu! Non, je ne reviens pas! Je suis ému aux larmes actuellement! C'est une gourde Oli! Une gourde Oli qui... Hein? Time for a shake-up! Messieurs, dames, ensemble, nous allons découvrir les différents sachets Oli. Ok, ça c'est l'alternative au thé glacé. Et c'est Lemon Honey X Black Tea. Mango X Passion X Black Tea. Peach X Black Tea. Raspberry X Vanilla X Hibiscus Tea. Ok, là ça va vous mettre bien. Ça c'est les trucs de concentration focus de gamer. Il y a le Watermelon Whale. Ainsi que le Raspberry Raptor. Et ça c'est quoi? Pomegranate Piranha. Ça c'est vraiment... Je ressens la poudre de gamer là-dedans. Et ça qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, non. Ça c'est terrifiant ça, regardez ça. Citrus Cobra. Le cobra au citron. Ah, ça c'est les emballages sportifs. En tant que sportif, je vais boire ma boisson sportive avant de faire du sport. Je me munis de mon shaker Oli. Je verse les 500 ml d'eau recommandée. Je vais verser la poudre dans le shaker. Nous allons secouer en direct live. Je vais prendre la première gorgée. What the fuck? Les gars, no fake, regardez ça! Putain de merde! Les gars, aucune vanne. C'était tellement, tellement, tellement bon que je me suis même pas rendu compte que j'ai one-shot mon shaker. What? Sur le site Oli, code ALDERIAT5 pour 5€ sur votre première commande. Code ALDERIAT pour 10% de réduction pendant toute la période du partenariat, c'est-à-dire 3 mois à compter de ce jour. Point d'exclamation Oli dans le chat. Allô, messieurs, dames, est-ce que ce serait pas un live qui commence par une petite pause pipi? Je crois bien. Hein. Je crois que c'est un live qui va commencer par une petite pause pipi. Je suis bien connecté, ouais. Allez, ça part. Hein. Je vais attendre pour la pause pipi, en fait. Je vous ai menti, les gars. C'était un prank. Je suis contre Gaëtan. Là, vous voyez pas, mais la Fiora, c'est chasse à l'homme. Oh, sa mère. C'est quoi ça? Rien que ça, ça mérite une cam. Périphérique. Oh, incroyable, elle est détectée. Ok, les gars, c'est le message émouvant, émotionnant, triste et réel d'un joueur master souhaitant uniquement reprendre League of Legends pour se refaire la main dans des conditions à peu près optimales et fair play. Et Vlatipa, que à cause d'un événement organisé par un petit individu, tout petit, tout mesquin, du nom de Tréton, moi, humble joueur master, jouant un perso qui n'a pas changé depuis la bêta, l'autre jour, j'affronte Potent. Et là, j'affronte quoi? J'affronte Gaëtan, l'un de mes fils, qui va être obligé de battre à mort son père en live. Ignite juste pour la vision. Faut pas que je perde du temps. Faut que je push. Oh, le chemin de CDR. Ah, j'en étais sûr. Oh. Je pense que je suis mort dans tous les cas. Ouais, il y avait le gang de Léona, fait chier. Quoi? J'ai voulu le E flash et mon E il est parti, mais mon flash il est pas parti. Je crois que j'ai pris un CC pendant le E. En vrai, c'est le genre de game, y a rien à faire. Le seul truc que tu peux faire, entre guillemets, c'est prendre aucune action et conserver ton KDA. J'aurais pu perdre en 0-1-0 et dire j'ai bien joué. Aldé monte la circonférence des biceps. Je sais pas les gars, je les ai pas mesurés. Je veux bien vous montrer mon bras droit pour un abonnement. Pas plus, pas moins. C'est drôle de voir les deux points de vue, car Gaëtan lui trouvait sa team pas fou comparé à la tienne. En vrai, je peux comprendre qu'il dise ça parce qu'en early, ma team était gagnante et que ça a fait qu'il s'est pris un gang de zinzin, tu vois. Mais objectivement, ouvre la game. Ouvre les scores, son jungle est en 11-3-11, le mien est en 1-6-9, son mid est en 6-2-12, le mien est en 5-6-5, son AD carry est en 12-6-9, le mien est en 2-9-6, son support est en 0-1-18, et le mien est en 5-8-8. Les chiffres sont là, monsieur l'agent. Allez, first pick, blind pick, toutes les games, c'est la dure vie d'un putain de bonhomme. Merde, j'ai oublié de montrer le bibi. Ok, c'est le bibi, les gars, c'est le petit bibi. Attends, mais ce skin a un bruit d'auto-attaque qui est insupportable. Moi, je vais devoir supporter ça toute la lane. Vous entendez ça? Oui, oui. Nos trolls, c'est horrible. C'est ultra désagréable. Nice. Bien joué, mon gars Kha'Zix.
Ok, elle veut me forcer encore un petit peu dans le malaise, mais bientôt elle pourra plus. Refus catégorique d'interaction. Le truc, c'est que elle, son perso, il est nul pour faire ça. Regarde-le, regarde-le. Faire full mana, hein. La vieille gueule. Je t'assure que tu vas quand même perdre des trucs pour ça. Tu vas pas t'en tirer comme ça. Voilà. Parce que là, du coup, je te crache la wave, j'ai une wave canon. T'as cru que t'allais t'en tirer sans le moindre problème avec ta petite arnaque? Non, 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 non. Tu perds des creeps, tu perds deux plaques. Je veux rien savoir. Attends, y'a Bard qui arrive. Ok, j'ai le slow sur elle. Je sais qu'elle a pas de flash. Ok, j'ai ulti beaucoup trop tôt. Oh! Mais tu vas mourir, oui! Bon, après, ils jouent Karma Top Exhaust, mais la pauvre quand même. Avoir une support diff dans ce jeu vidéo, c'est vraiment très, 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 très broken. Attends, mais t'as pas de mana? Non, mais. Non, mais c'est Malphi, tous ces Karma, c'est quoi ça? Le GOAT! Le GOAT! Comme ça qu'on les réveille! Ah bah ils ont FF. Il y avait trop de testostérone pour eux les gars. L'action les a fait FF. Je vais honorer le Bard. Bard, foutu GOAT, grâce à toi la game était si facile. Oh mon dieu, c'est Shaco! D'ailleurs, le saviez-vous? Le savez-y-tu? Shaco est l'anagramme de KO. Abonnez-vous pour plus d'informations rigolotes sur League of Legends. Je suis avec Saken! Ok les gars, je vais tout donner si je suis avec Saken. Je vais tout donner. Attends, est-ce qu'il y a un skin vert? Ok, regardez, je prends même le skin Trindamer vert, poigne de l'immortel. Saken, mon GOAT. Je l'ai vu une fois à l'émission Zen que j'ai fait, où j'ai été mandaté pour frapper des gens. J'aimerais que ce soit une blague, les collègues, mais c'est pas une blague. Il y avait un événement où ils étaient dans une bibliothèque. Et où ils devaient pas faire de bruit. Et ils m'ont fait venir pour que je les frappe pendant qu'ils sont à la bibliothèque. Et ils avaient pas le droit de faire de bruit pendant que je les frappe. Bon, j'ai une Shyvana jungle, donc autant dire que j'ai pas de jungle. Faut que je joue comme si j'en avais pas. Let's go Saken! Saken brise ma losing streak! En vrai, les auto-attaques de ce skin me relaxent tellement. On dirait que je sais pas que tu frappes quelqu'un avec une pelle. Non, par contre, Saken, il est déjà en 3-0-1 avec un perso late game. Cassez Saken, mon roi! Êtes-vous fier de moi, Cassez Saken? J'ai solo kill mon adversaire! Et je n'ai même pas claqué mon ulti, êtes-vous fier de moi, Cassez Saken? Quoi? T'es malade? C'est pour ça qu'il est le GOAT. Non! Mais, les gars, y'a pas une game aujourd'hui, pas une, hein, c'est pas une exagération quoi. Y'a pas une game où le mec en face a pas joué avec la pression de son jungle et où il y avait pas support et ou jungle pour me récupérer à chaque putain de solo kill. Et encore une sale fraude qui a une assist qu'il devrait pas avoir. Et là, il me TP sur la gueule, du coup, il va me prendre toutes les plaques. Oh, vas-y, j'ai la gerbe. Get ça? Classique top lane moment. Tu solo kill, tu te fais quasiment péter ta tour. Et la fraude de face à toi récupère une assist. Dans le meilleur des cas, il me force l'ulti, je vais lui empêcher ça. Non. Non, tu ne me forceras pas l'ulti, non. Cassez Saken, notre GOAT. Vous savez qu'elle me tue, là? Dommage, j'ai pas pu flash. Ok les gars, essayons de penser positivement. J'ai mon flash, elle ne l'a plus. Ce qui devrait mener à un solo kill quand je repop. Moi, je mange la glace. Attends, mais lui, il en a rien à branler de la game. Ah ouais! Ah ouais, il en a rien à branler de la game, hein, c'est pas une vanne! Non! Ok. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Je l'ai tué grâce à mon flash, c'était le plan! J'ai fait passer un message, c'est tout ce qui compte! Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit. J'ai mon flash, elle ne l'a plus. Ce qui devrait mener à un solo kill quand je repop.
Non. Casse ça, Ken. Pa. Vas-y, je vais le nord. Les gars, j'étais obligé de faire ce malaise, je suis désolé. J'étais littéralement obligé, j'avais pas le choix. Toute la game, j'y ai pensé.